Chaque année, le département d'État américain publie un rapport sur le climat de l'investissement dans le monde et il en fait une analyse détaillée dans plus de 150 pays. Et ce rapport annuel, c'est un outil incontournable d'aide à la décision pour les entreprises américaines qui souhaitent développer leurs affaires à l'international. Et ce rapport de 2024, qui a été publié hier, met en avant de façon très élogieuse les avancées majeures réalisées par le Maroc, qui, sous la vision éclairée de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, a mené durant les 25 dernières années de nombreuses réformes politiques, économiques et sociales, lui ayant permis de se consolider comme un état de droit et de bâtir une économie moderne, fortement diversifiée et ouverte sur le monde. Le rapport précise que le Maroc est un pays qui encourage et facilite activement l'investissement, particulièrement dans les secteurs productifs, à travers notamment des politiques macroéconomiques responsables, la libéralisation des échanges commerciaux, la mise en place de dispositifs de soutien à l'investissement, à travers notamment la nouvelle charte de l'investissement et les réformes structurelles pour l'amélioration du climat des affaires. Ce rapport ajoute que l'État marocain a mis en place des stratégies ambitieuses qui visent à stimuler l'emploi et à accroître la valeur ajoutée dans plusieurs secteurs clés. Et ce rapport a rappelé les nombreux atouts du Maroc, dont sa position géographique stratégique, sa stabilité politique et les différentes infrastructures aux standards internationaux. Et ce rapport explique enfin que l'ambition du Maroc est de s'imposer comme un hub régional des affaires et une porte d'entrée privilégiée vers l'Afrique, the gateway to Africa, comme ils disent. Et pour conclure, ce rapport confirme la dynamique positive que connaît notre pays en matière d'investissement et le momentum Maroc dont nous parlons depuis plusieurs mois.